Salutations, c'est MX Trucker. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Aktobe? Aktobe est une ville qui est inclue dans The Great Steppe Map. Et c'est une ville eh bien, qui pose quelques problèmes dans la mesure où la route qui vient de l'ouest de Aktobe crache à quelques centaines de mètres de l'entrée de la ville. C'est un problème de terrain. Problème de texture, comme on a pu le voir sur les images précédentes, par exemple avec la remorque. Et puis dans le centre de Aktobe, eh bien, c'est un problème avec des véhicules garés, notamment un Ford S-Max, qui pose un problème. Alors donc, voilà, j'ai pris la décision de vous présenter ce map combo sans inclure de Great Steppe. Et donc par extension, sans inclure Cybermap, sans inclure Road to Asia, et sans inclure également Volgamap, puisque toutes ces cartes fonctionnent ensemble, elles sont toutes interdépendantes, et en fait elles dépendent de Rusmap. Alors le problème, c'est que Rusmap a été mise à jour en version 1.43, alors que de Great Steppe n'a pas été mise à jour, et vu que les autres cartes eh bien, sont connectées à The Great Steppe, eh bien, s'il y a un problème sur une, voilà, il y a un problème sur toutes en fait. Mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo, donc pour les plus téméraires, comment vous pouvez télécharger ces cartes et surtout les routes qu'il faut absolument éviter. Voilà, faudra juste bien l'intégrer et puis voilà. En tout cas, pour ce map combo, on va déjà avoir de quoi faire avec notamment ici Road to Asia, et puis qui va désormais jusque là-haut. Voilà, on arrive ici en Corée du Nord et Corée du Sud. Et puis si on va chercher un petit peu plus loin à l'est, on arrive ici sur la carte de JRR, Java Road Revolution. Voilà. Java Road Revolution, c'est la ville de Jakarta, enfin il y en a d'autres également, mais c'est particulièrement dense, c'est particulièrement bien construit. C'est l'auteur de Pigeon-Indo qui réalise cette carte. Donc faites-vous plaisir et puis allez faire un tour. Nous allons retrouver également ici une petite nouveauté. Alors, c'est une demi-nouveauté, c'est une mise à jour de compatibilité de Finmark qui est sorti il y a quelques heures. Et puis nous avons parmi les autres nouveautés Rusmap qui est en version 2.43.1. Donc une mise à jour a été faite. Et puis surtout on utilise une toute nouvelle route connexion donc entre Rusmap et ProMods. Alors il s'agit de la route connexion, on va dire version Rusmap. La version ProMods n'est pas encore sortie. Et puis nous avons donc également la route connexion qui va entre Roextended et Rusmap, donc qui est édité par Roextended. Et avant qu'on me pose la question, ici il n'y a pas de route cassée, il n'y a pas de route coupée. C'est voilà, c'est comme ça. Il y a des petits bouts de route qui se baladent ici pour une raison très simple, c'est que ce secteur est partagé à la fois par ProMods, par Rusmap et par Roextended. Voilà. Ce secteur, non pas celui du dessus, là où c'était en Ukraine. Voilà, donc ici, bah, ce ne sont pas des routes cassées, c'est juste des routes voilà, partagées. Puis dans la mesure où il est assez compliqué de faire une route connexion qui aille à la fois sur ProMods, Rusmap et Roextended, donc on n'a pas, voilà, il n'y a pas de route à cet endroit-là. Par contre, voilà, ici, entre Rusmap et puis Roex, on a la connexion. Entre ProMods et le continent, on a la connexion, mais également, et c'est une nouveauté, le RC de Roex qui joint ProMods sur le continent, et eh bien inclut désormais la route connexion entre Roextended, donc la version, la partie turque de la carte, et ici le Middle East add-on. Donc nous aurons dans cette carte Red Sea Map qui va jusqu'ici. Même si j'ai noté qu'il y avait, je ne sais plus où, il y a un petit problème de texture sur une route. Bon, enfin, rien de bien grave, rien qui fasse crasher le jeu. Nous avons Rhodes, nous avons Paris Rebuilt, nous avons aussi l'Italie. Nous avons bien évidemment la carte que j'ai créée, donc Eurafrica.
Alors, les cartes que je n'ai pas incluses, donc hormis le groupe des 4 dont j'ai expliqué tout à l'heure les raisons, je n'inclus pas également Balkans, la Macédoine, ni Pologne. Non pas que je ne veuille pas les intégrer, mais tout simplement que changer le manifeste, le fichier manifeste, en écrivant 1.43 au lieu de 1.42 pour les add-ons de ProMod, ça ne marche pas. Si vous le faites, vous allez perdre votre temps puisque vous allez crasher. Voilà, ceci étant dit, libre à vous, hein, bien évidemment. Autre chose, concernant ce background, donc on voit ici par exemple que l'Islande, eh bien, n'est pas bien localisée. Voilà, c'est dans l'eau, c'est comme ça. On a la même chose ici du côté du Middle East. Voilà, on est un peu dans l'eau. Alors, la raison pour laquelle j'utilise ce background qui n'est pas spécifique à ProMods, tout simplement parce que si vous voulez avoir l'intégralité des villes, l'intégralité des cartes, eh bien, voilà, on doit passer par ce background-là. Alors, certes, il n'est pas parfait, mais au moins, voilà, on a quand même une carte entière ou quasiment entière sous les yeux, même si... ici et là, voilà, certaines villes, certaines routes sont dans l'eau. Ça n'empêche pas de jouer. Et puis je pense que l'essentiel, c'est que le jeu ne crache pas pendant qu'on roule, plutôt que d'avoir un background absolument nickel au centimètre près, voire au millimètre près. Enfin, voilà. Il existe toujours un background version ProMods. Alors vous pouvez le charger si vous voulez, mais vous verrez qu'il y a plein de routes, notamment dans Road to Asia et puis GRR, bah que vous ne pourrez pas voir, tout simplement. Alors il faut choisir soit l'exactitude, soit moins d'exactitude, et puis des routes complètes. Voilà. Concernant l'ordre de chargement, on attaque tout en bas ici avec Java Road Revolution en version 0.3.5, Assets et Modèle 2, Assets et Modèle 1, et le Def and Map. Juste au-dessus, nous avons EurAfrica, le fichier numéro 3 mod, le numéro 2 mat et le numéro 1 def, et le fichier 0, le noferry, qui est une option qui supprime la connexion entre Alger et Marseille. Libre à vous de la charger à pas ou pas. Pour obtenir cette carte EurAfrica, vous avez deux possibilités. Soit en cliquant sur l'icône PayPal qui se trouve sur la page principale de ma chaîne YouTube. C'est un paiement de 2,99€ qui vous est demandé. Je vous envoie alors les liens par mail. Alors parfois, certaines personnes m'envoient un mail à 3h du matin, m'en envoient un autre à 3h30, à 4h, 4h30, 5h, 6h, 7h. Faut quand même juste intégrer le fait que la nuit, je dors. Pas tout le temps, mais de temps en temps, quand même, d'une manière générale, je dors. Et puis, intégrer également le fait que j'ai une vie privée, et je ne suis pas toujours collé à ma boîte mail, donc parfois, ça peut prendre 2 heures, parfois 6 heures, parfois une demi-journée. Et n'oubliez pas non plus que nous sommes en période de fête, hein. Il y a Noël, il y a le jour de l'an, tout ça, donc je ne suis pas toujours collé à mon ordinateur. Donc s'il vous plaît, un petit peu de patience, et puis, hors d'une manière générale, j'ai plutôt des messages très sympas. Mais voilà, il est arrivé qu'une ou deux personnes aient des messages pas très très sympas d'ailleurs. Voilà, intégrer tout ça, je ne suis pas une machine. Et puis pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous avez la possibilité de souscrire en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sur ma chaîne YouTube. C'est le même prix, c'est 2,99€, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Par contre, il vous donne droit, il vous donne accès donc au lien de téléchargement directement en allant sur l'onglet communauté. Donc n'y allez pas si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment les liens sont cachés et ils ne se débloquent que lorsque vous avez souscrit à la chaîne. Et il vous donne accès également à toutes les mises à jour ultérieures à venir de EurAfrica. Voilà. J'en profite quand même pour remercier les dizaines, je peux même dire les centaines de personnes qui ont d'ores et déjà acheté EurAfrica. Franchement, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et je vais vous préparer encore pas mal de mises à jour pendant un sacré moment. Et notamment la prochaine où on va avoir pas mal de kilomètres, pas mal de nouveautés. Voilà, enfin vous verrez ça. Road to Asia en version 1.2.1, le fichier Assets, le fichier Modèle,
et le fichier d'FMAP. Nous avons juste au-dessus le RTA pour AutoAsia Prefab Update, donc qui a été créé par Arayas de Raw Extended, qui corrige quelques problèmes de prefab, notamment avec ProMods. Voilà. Et Sosan Region d'ailleurs. Sosan Region, justement, en version 10.9, nous avons ici le fichier modèle 2, modèle 1, le DefMap, et nous avons ici Sosan Region Ferry Navigation Fix, Sosan Region English City Name, et juste au-dessus, nous avons le fichier Def de RusMap. Donc la carte a été mise à jour, il s'agit bien de la version 2.43.1. Donc si vous n'avez que la version 2.43, il faut retélécharger pour avoir celle-ci. ProMods, le fichier Assets, Models, Package 3, Package 2, Package 1, le Media Package, le Map Package et le Definition Package. Alors ce Definition Package-là est celui que l'on édite sur le site de ProMod. Pour ceux qui veulent jouer en convoi, il faut aller ici, là, dans le workshop, et puis télécharger le fichier Definition ProMods qu'on voit. A savoir que ce map combo, ici, n'est pas optimisé pour rouler en convoi. Je ne l'ai pas testé, en tout cas, dans ce cadre-là. Donc, essayez avec l'autre fichier Définition, essayez en convoi. Je ne sais pas s'il fonctionnera ou pas. ProMods Middle East Add-on, le Assets Package et le DefMap Package. Juste au-dessus, nous retrouvons Corfu and the Greek Islands, le fichier modèle. Juste au-dessus, le fichier DefMap de ProMods. Alors regardez, il y en a deux qui sont identiques. Un petit détail près, ici il est marqué ProMods Version, alors que là, c'est pas marqué. Donc ne vous plantez pas, hein, il s'agit tous les deux des fichiers DefMap, mais celui-ci est optimisé pour ProMods. Redsy, le fichier Assets, est la version 1.33. Et le Redsy DefMap. Nous avons juste au-dessus Finmark Trumps en version 1.43. C'est une mise à jour pour la nouvelle version de ETS2 qui est sortie il y a quelques heures. Juste au-dessus, nous avons le Iberia Rebuilds. Et nous avons E58 ProMods Add-on. Alors c'est une route qui se trouve du côté de l'Ukraine. Je ne sais pas où exactement, je ne l'ai pas localisé. RusMap en version donc 2.43.1, le fichier modèle, le fichier modèle 2 et le fichier map. Alors ces deux fichiers peuvent aller un petit peu dans n'importe quel sens. On peut mettre le modèle 2 en dessous, le modèle au-dessus, ça marche très bien d'une manière comme une autre. Nous avons ici donc la nouvelle route connexion, et c'est la version V-RusMap entre ProMods et RusMap. Donc la version de ProMods sortira peut-être dans quelques heures, quelques jours, je ne sais pas. Nous avons ici Rhodes en version 1.0 et le Rhodes Ferry Connection avec ProMods. Ici, nous avons Raw Extended en version payante, la version 3.3. Il existe également une version gratuite 2.9. L'ordre de chargement est le même, le fichier numéro 5 Assets, le 4 modèle 2, le 3 modèle 1, le 2 Prefab, le 1 DefMap. Nous avons juste au-dessus le ROEX Global City Name pour traduire les noms en anglais. Le ROEX All, donc All pour les deux versions, c'est-à-dire gratuite ou payante. Il s'agit ici d'un fixe entre ROEX Extended et RODES. Nous avons ici une route connexion, donc Rex Hall également, pour connecter la Turquie vers le Southern Region. Non, je vous dis une bêtise, ça c'est AZGE, là c'est pour connecter la Roumanie vers le Southern Region. Et puis nous avons ici encore une fois un Rex Hall vers ProMod, route connexion. Et enfin un dernier Rex Hall vers RusMap. Azerbaïdjan, Géorgie. Add-on 1.43 et ici la traduction des noms en anglais. Nous avons ici Azerbaïdjan-Géorgie vers le Social Region Route Connection, même s'il est indiqué 10.1, il fonctionnait avec la version 10.5 et fonctionne encore avec la version 10.9. Ici nous avons le Azerbaïdjan-Géorgia ProMods Middle East Fix. Utilisez bien ce fixe, sinon vous n'aurez pas de nom de ville, notamment dans les Balkans ou en Islande avec ProMod. Azerbaïdjan, Rotu Asia, Ferry Connection.
Donc, dans la mesure où on n'a pas de grid step et on n'utilise pas Caucasus et tout ça, donc ce petit ferry est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas rejoindre Road to Asia. Nous avons ensuite Paris Rebuilt en version 3, House in Italy et le House in Italy fixe. Nous avons ici le Volvo que je vous ai présenté avec son skin camouflage et juste au-dessus la remorque camouflage. Donc c'est édité par Skin Fred, comme indiqué ici. Je lui demanderai s'il est d'accord pour que je vous communique les liens pour pouvoir le télécharger. Sinon, venez sur Discord et puis voyez avec Skin Fred pour ses conditions. Nous avons juste au-dessus le Realistic Brutal Weather en version 7.3, édité par CAS. Ici, le ETS Satellite Background, donc pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Occitanie. Donc j'utilise ce satellite-là parce qu'on commence quand même à avoir des combos qui deviennent de plus en plus larges ou qui vont de plus en plus loin à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et le précédent fond de carte spécifique à ProMod, bah, tout simplement ne suffit plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on ne voit pas Road to Asia dans son intégralité, on ne voit pas JRR, donc voilà, je choisis celui-ci. Juste au-dessus, le crash fixe pour Huge Map Combo. Et enfin, tout en haut, le Full Screen World Map pour avoir votre carte en plein écran. Donc voilà pour ce Map Combo. Je vais vous montrer maintenant comment placer Volga et les autres cartes pour ceux qui veulent les intégrer et vous montrer également les routes qu'il ne faut surtout pas prendre. Voici donc la version extended, la version étendue de ce map combo. Donc c'est exactement le même ordre de chargement pour les autres cartes. La différence ici est que nous avons la carte de Volga Map. Alors, vous allez trouver des routes cassées, notamment ici et là. Alors, ces routes sont cassées, non pas parce qu'il s'agit d'un bug, mais tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle un work in progress, c'est un travail en cours, voilà, donc c'est pas fini. Donc, lorsque vous allez vous retrouver sur ces routes par ici, ben, vous n'allez pas avoir autre chose que la route à droite et à gauche. Alors, c'est à vous de choisir. Soit vous téléchargez cette carte et puis ben, vous savez qu'il ne faut pas aller par là. Et puis bah, il ne faudra pas aller non plus trop trop loin, puisque de toute façon, bah, ici vous allez avoir un mur d'arbres, enfin voilà, vous ne pourrez pas passer. Et puis par contre, si vous allez plus loin, ici vous allez tomber dans le vide. Bon, ça c'est pas le point le plus important. Le point le plus important, il est ici. Alors vous voyez toutes les routes en jaune, j'ai vraiment testé en long, en large, en travers. Et j'ai envie de dire, bah, malheureusement, il y a toujours un crash qui apparaît à l'intérieur de la ville de Aktobe. Donc je sais que j'ai crashé ici, j'ai crashé là, j'ai crashé quelque part par là également. Il s'agit de problèmes avec des voitures stationnées. Alors les voitures stationnent aléatoirement, donc les crashs arrivent aléatoirement. Et il y a également une autre raison, c'est un défaut de terrain. Un terrain mal positionné, enfin en tout cas mal lu, on va dire, dans sa position par le jeu, qui fait que là par contre on crache systématiquement. Alors l'astuce, du coup, si vous devez aller par là, alors lorsque vous arrivez à Ouralsk, il faut passer par cette route, arriver jusqu'à Atyro, et de Atyro, vous allez remonter jusqu'à Alga. Alors à savoir quand même que cette route ici est très probablement l'une des plus jolies qu'il y a sur cette carte de Grid Step. Et puis, à partir de là, bah, soit vous passez par cette route. Alors comme vous voyez, elle n'est pas en jaune, hein, celle-ci, je ne l'ai pas testée, mais c'est celle qui amène je me rappelle plus le nom des villes, enfin en tout cas elle amène voilà, jusqu'à Road to Aral, la petite carte qui est là. Et puis sinon, bah, vous remontez ici au nord en direction de Cybermap. Alors je suis allé jusque là, j'ai pas eu de crash. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Voilà. Si vous installez ces petites cartes-là, c'est en connaissance de cause. Et puis, eh bien, bonne route, hein, comme on dit. Allez, on va voir l'ordre de chargement. Nous voici donc avec la deuxième version de ce map combo.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore bien compris, il y a un crash. Alors, on va voir l'ordre de chargement un peu plus rapidement que tout à l'heure. Donc ici, les trois fichiers de Java Road, les quatre fichiers de Rafrica. Ici commencent les changements. Nous avons juste au-dessus de GridStep Model 2. Alors généralement, ce fichier Model 2, on ne l'utilise pas lorsqu'il y a RusMap. Mais dans la mesure où RusMap a été mise à jour et que de GridStep n'a pas été mise à jour, il y a des données, des data à l'intérieur de ce fichier qui permettent à GridStep de fonctionner un peu mieux, mais bon, pas complètement, pas suffisamment. Nous avons juste au-dessus le fichier modèle, le fichier map et le fichier def, le English City Name pour traduire les noms en anglais, et un premier fixe ici, un fixe de compatibilité avec RusMap. Juste au-dessus, nous avons RotoAral et RotoAral CapsFix. Donc RotoAral touche de GridStep, c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas dans la première version du combo. C'est la même chose pour CyberMap avec le fichier modèle, le fichier map et def et le CapsFix. Voilà, cette carte aussi a besoin de GridStep. Nous avons juste au-dessus ici un deuxième fixe qui a été créé par Arayas de RoExtended, qui répare notamment les plaques d'immatriculation. Nous avons donc ensuite RoadToAsia, pas de changement ici, le Social Region, pas de changement ici. Nous retrouvons juste au-dessus VolgaMap, le fichier modèle, le fichier def et le English City Name. Il s'agit donc de la version 1.3 de VolgaMap. Nous retrouvons ensuite RusMap, tous les fichiers ProMod, le Middle East, Corfu, Redsea, Finnmark, Iberia, E58, donc la petite route pas très loin de l'Ukraine de ProMod. Nous retrouvons RusMap avec sa route connexion Rhodes et son ferry. Nous avons ici RoExtended avec sa traduction en anglais, ici le fixe pour Rhodes, les routes connexion de Social Region, de ProMod et de RusMap, Azerbaïdjan. Et nous arrivons ici donc du coup à un ferry qui devient optionnel entre l'Azerbaïdjan, Géorgie et RoadToAsia, puisque nous pouvons passer par la route, à savoir Project Caucasus, donc qui part de la ville de Bakou en Azerbaïdjan et qui rejoint The GridStep. Et puis ici donc le fichier pour traduire les noms de Project Caucasus en anglais. Et ça ne change rien pour le dessus, on a toujours Paris Tripoli, Taos in Italie, le Volvo, le Brutal Weather, les backgrounds présentés tout à l'heure. Donc voilà pour cette deuxième version que vous pouvez télécharger en connaissance de cause. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël, j'ai une idée pour vous concernant votre jeu, hein. Regardez, il y a Eurafrica qui est ici pour 2,99 € avec deux possibilités. Deux choix de paiement, voilà, un petit cadeau à 3 euros. Moi, ça me fera plaisir et puis je suis sûr que vous passerez du bon temps sur cette carte. Je vous remercie, merci de m'accorder des pouces positifs, merci de vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Et je ne sais pas si je dois vous dire bonne année ou pas, il y aura peut-être une vidéo encore avant. On verra ça. Ciao! Greetings, here is MX Trucker. Why am I talking about Aktobe? Aktobe is a city placed in the GridStep map. And the GridStep map is an old map already because it has been built, I don't remember, maybe 139, 140 version is 2.0. But the problem with the GridStep is that I went from north to south, from east to west, everything was working fine. But there is one road and one city that is crashing the game. This is the reason why in this map combo that is already
Huge. You won't see here the Great Steppe. You won't see Sibir Map. You won't see Road to Aral. The crash is inside Aktobe. There is a parked car issue, and there is also a terrain texture issue. And in fact, it does not crash every time, but even if it just one crash every two or three times, this is not that good. I will show you at the end of this video how to load the Great Steppe, how to load Sibir Map, how to load also Volga Map and Road to Aral. Then you will decide by yourself what you want to do. In this map combo, we have here Road to Asia and also the North and South Korean part of Road to Asia, and very far in the east. Here we have Java Road Revolution. Java Road Revolution is a very dense city. It's very amazing. It has been built by PG Indo author. So in this map combo, we have here ROS map that is there, and I'm using the ROS map road connection to pro mods. So that means that you will play ROS map creation of Murmansk and some other cities here, and not pro mods realization. We are using also raw extended, and there is a new road connection to ROS map, of course. And before you ask me why is this road broken, this road is not broken. This is a common sector to ProMods, raw extended and ROS map, and none of the team decided to create the connection between Koval and Brest. So it's like this. It's not a broken road, it's just like this. And all the connection also from ROX to ProMod is working fine here. ROX extended, that is extended till Turkey part here. And we have also the road connection. There is just one road connection in this edition between ROX extended and ProMod. It's connecting ProMods in the continent, and it's connecting also Middle East just with one connector that has been released. We have some of the maps. There is one map that just went out a few hours ago, which is Finnmark. So there is nothing new in Finnmark. It is a compatible update. And we'll have some other maps such as Paris Rebuilt. There is also E58. Do not ask me where it is. It is somewhere here, but I do not localize it very precisely. And we'll have House in Italy and some other maps. I did not load Poland Rebuilding or Balkan. Also Macedonia maps. I've read here and there that we can change the manifest file, write 143 instead of 142. Do not spend your time with this solution about ProMods add-on. It does not work, okay? And here we have, of course, the map I've created, which is EurAfrica, and an update will come very, very soon. I will tell you more about that in the following hours or following days. Let's have a look now to the load order. Yes, I want to leave. 63 files, and we have something like 16, 17 maps, I don't know. This is Java Road Revolution GRR Assets and Model 2, Assets and Models 1, and the Def and Map file version is 0.3.5. This is EurAfrica, no, it's not beta anymore, EurAfrica version 1. This is number 3 mod, number 2
Matt, number two, number one, Def, and the optional No Ferry for Euro Africa between Alger and Marseille, so between Algeria and France. Here is a Road to Asia Assets, so this is version 1.2.1, a Road to Asia Models, and Road to Asia Def and Map File, and there is a fix. Whoa, what have we done? This is a prefab fix that has been created by Arias from Raw Extended, and it's a fix of compatibility between Road to Asia and Promods. In fact, here we got source and region model 2, model 1, def and map file, version is 10.9, and we get here source and origin ferry navigation fix done by Jerry the Trucker from GMC VTC for people who wants to drive in community. You can find them in Discord, for example. Source and region English city name, and then we get here a RustMap def file, and this is a released version of RustMap. This is version 2.43.1. So if you have the 2.43, you have to read and download a new version. This is Promods assets package, package 3, package 2, package 1, media package, map package, and definition package. This definition package is the one that you generate on Promods site. If you want to play Convoy with Promods, you have to click on this blue icon. And in the workshop, you will find the definition file for Promod's Convoy. This map combo, so, is not running Convoy. Promod's Middle East add-on assets package and the def and map package. Here we get Corfu and the Greek Islands model, and Corfu and the Greek Island def and map Promod's. And as you can see, there are two def and map files. This one is a non-promote file, and this one is promote file. So do not make mistake, be sure to load this one. Here we got Red Sea assets, version is 1.3.3, and the Red Sea map. On top, it's full new Finmark Trumps released for 1.43. It's just a compatibility update. Here we got Iberia rebuilt, version, I don't remember, 0.1.5. Here we get E58 Promods add-on version 0.2, and there are some descriptions inside, but not that much. Here we have three files for RustMap model, model 2, and RustMap map, and as exactly the same way that for def, that is there, version of this file is 2.43.1. Here we have Promods 260 RustMap 2.43.1 road connection, and this is the RustMap version. Maybe in some hours or days, I don't know, Promods will edit his own road connection with RustMap. This is RODES version 1.0 and the Promods and RODES ferry connection. Just on top, we get Raw Extended. This is the paid version 3.3 or 33. And there is also a free mod called 2.9. And the load order is exactly the same. File number 5, mod assets. Number 4, model 2. Number three, model 1, number 2, prefabs, and number 1, def and map file. And we have here a Raw Extended Global City Name for translation. There is here RawX All, so that means that it's running with the free or the paid version of Raw Extended RODES fix. There is a RawX All source and origin 10.5 or 10.9 fix. It's working exactly, not fix, road connection. It's working the same way, 10.5 or 10.9. A RAW Extended All Promods Pack.
So why is it promote pack? Because now there is just one road connection for promote continent and promote in the Middle East. And there is just on top of that ROX all ROSMAP road connection. So even if it's called 2.4.3, it's working of course with ROSMAP 2.4.3.1. Azerbaijan Georgia add-on, this is a ROX extended add-on, version is 143. Then we get the global English city name, then we get the road connection between SAGE and Southern region 10.1 or 10.5 or 10.9. It's the same road connection but it's still working. And we get here SAGE promotes Middle East fix, and you need this one, if not you won't have city name in Balkan area. Also I've seen that you will misname in Iceland, so don't forget to load this one. Azerbaijan Georgia road to Aral ferry, and you'll go from Baku to I don't remember the name of the city in road to Asia, maybe it's there, no, but it's mandatory to have this ferry connection, if not you won't reach road to Asia. In fact, on top of that we get Paris Orbit version 3, we get house in Italy and house in Italy fix to see the name. This is Volvo Camo by Skinfried, skin that he dashed me a few days ago. I will ask him if I can give you the link of this mod for Volvo, and this is a trailer. As you can see, it's a camouflage simulation and it's very very well done. On top of that I've loaded here Realistic Brutal Weather version 7.3 by Cass, and then we have ETS2 satellite background. So this one is not done specifically for pro mods. This is the reason why you will have, for example, Middle East in DC a little bit, and Iceland that is really far from the ground of the map, but it's the only one we can use if you load the Java World Revolution and even North and South Korea included in Road to Asia. So we'll have to compose with this background till another one will set the case maybe. This is a crash fix for huge map combo, and on top of that I'm using the full screen map to have the map in a 100% sized over screen. Here it is for this map combo, and I will show you now the load order with the grid step, cyber map, Volga map, and also road to Aral. But as I've told you, I will show you where the game is crashing, but you know there is a crash, so do not send me any game log to tell me that your game crashed in one of these maps, even if I've tested it and I had crashed just in one place. But if you load it, you know what you do, and here it is. So this is the extended map combo, including the grid step, including cyber map, including Volga map, including road to Aral. Let's start by the easiest point. The easiest point is Volga map. As you can see, the road here is broken, and here also. But the reason why it is broken is very easy. It's because this is a work in progress. So if you drive on this road here, you won't see some texture, you won't see, we'll just have the roads, but there is nothing else than that, and you just have to know that. And when you will reach these points here, of course you won't have roads, so feel free to load Volga map or not, this is up to you.
But the most important point that I want to see with you here is about the grid step. And as you can see, I've tested many roads all around, and especially here in Aktobe. And in fact, the game crash, as I've said previously, the game crash inside Aktobe Center City, and even at times, I have to tell at times because it's not every time on this road here, from this place or here around at this roundabout. So, if you want to load the grid step, you will have to avoid, in fact, all these roads, all these places here. And the best way is to go from Uralsk, drive to Atero, and from Atero reach Alga, and from Alga you can go to Kromtau and follow the road till road to Aral, or you can reach that road here that will bring you to Cybermap. Okay? I'm clear. There is a crash. So if you load it, you know what you do. And it is not because I crashed here. I crashed also in this place here. It's not because I crashed in these two places and even here around that means that you won't crash maybe somewhere else in the way that there is a car parked for the S-Max, I think that is not read by the game, and this Ford maybe is in another city, and as it is a random place car, so it may crash anywhere, anytime. Let's have a look to the load order. Here we have the same load order with the same map, I mean Java Roads Model 2, Model 1 Defun map, Eurafrica number 3 mod, number 2 mat, number 1 def, and the optional no ferry. I did not explain previously how to get this map. You have two ways. You can click on the join button on YouTube channel. This is a monthly subscription, €2.99, that will allow you to download directly the links from the community tab, and it will allow you also to have all the dates for the map. The second way to get the map is without subscription. It's by clicking on the PayPal icon. It's €2.99 also, the same price. The difference is that I will send you links by mail. And about this, I just want you to notice that I'm not a machine. So when you send me an email around midnight, 1 a.m., 3 a.m., I don't know, 5 a.m., and then some of you sent me a second mail and a third mail, they were upset because they did not receive the links instantly. By night, I'm sleeping, and by day, I'm also working. I'm having a family life, and I cannot send links automatically. If you want an automatic download, choose the YouTube subscription that you can cancel whenever you want. And I cannot do more than what I'm doing right now. Maybe I will find another way for you to download a map, but at this day it's like this. Here is the grid step, and I'm loading here models 2. We do not supposed to load model 2 file in the way that there is ROS map in this map combo. But there are some informations in this model 2 for the grid step that are not anymore in ROS map folders. So I'm using it to cure, if I can say, some crash. On top of that, we get the grid step model, map, and def. And we have here the English city name, and there is a fix for the grid step and ROS map. But while there is a fix, it's not enough to avoid CTD. Road to Aral and Road to Aral caps fix that is working with the grid step. So if there is no grid step, there is no road to Aral.
We have CBR map also exactly the same way than Road to Aral. It needs, it's mandatory to have the grid step. So if you load it, you have here model file, map and def file, the caps fix. And on top of that, there is a fix that has been edited by Arrayas from Raw Extended. You get the address here. It's a license plate fix and some other tiny things. But this fix and the rust map fix are not enough to cure 100% the grid step from CTD. Here is Road to Aja, as we have seen previously. Here we have Sosan region, as we have seen previously. And here we have Volga map, model, def, and the English city name. Version of this map is 1.3, updated for ETS to 143. Here we get Rust map and all the promotes file. The Middle East, we have Corfu, we have Red Sea, the Newfoundland, Iberia, E58, Rust map, and the road connection between Rust map and Promods, Rhodes, and the Rhodes ferry connection. Here we have Raw Extended paid version, and the city name, the fix to Rhodes, the road connection to Southern region, to Rus, to Promods, to Rusmap, Azerbaijan, and the city name, the road connection, and the fix to Promods Middle East. And now there is the optional Azerbaijan Georgia road to Asia ferry in the way that we are using Project Caucasus, that is going from Baku in Azerbaijan map, reaching the grid step, and there is just on top Project Caucasus caps fix, and then it doesn't change nothing on top. Paris Rebuilt House in Italy and the Volvo, the backgrounds, etc. So here it is for the second combo. And as it is Christmas time, if you want to have a nice gift, don't forget that there is EuroAfrica only for €2.99, and you buy it the way you want. Thank you for watching this video. Thank you to give me thumbs up if you appreciate it, and thanks to subscribe to my channel. Also, I needed to have more view on YouTube. See you very soon. Ciao.